Cet épisode, il est sponsorisé par moi-même. Eh ouais, là, je crois que ça sent le kebab. Hein. Eh oui, en effet, le tome 2 de ma BD, Nota Bene, sort le 13 novembre 2019, soit 2 jours après la publication de cette vidéo. Hein. Et tout comme le tome 1, eh ben, il s'agit d'une BD dans le style franco-belge, où on peut y retrouver 10 histoires incroyables mais vraies de 10 personnages répartis dans le temps et l'espace géographique. Alors pour l'occasion, j'organise même un concours hein, qui vous permettra de gagner un exemplaire. Je vous mets plus d'infos en fin d'épisode et dans la description, où vous trouverez aussi un lien pour la réserver dès maintenant et la propulser en tête des ventes en ligne, hein, ce qui, moi, me ferait un très très grand plaisir. Allez, bon visionnage. Mes chers camarades, bien le bonjour. L'homme avec un grand H est un gros pervers qui aime les histoires sordides. Et pourquoi je le sais? Et bah parce que j'en ai à chaque fois la preuve hein, quand je sors un nouvel épisode des Morts Insolites. Non seulement je prends du plaisir à les écrire, mais en plus je sais que vous kiffez voir des pauvres hommes et femmes passer de vie à trépas de la manière la plus stupide qui soit. Et ne le niez pas, hein. Alors, pour satisfaire cette curiosité assez malsaine, mais aussi se cultiver un petit peu hein, en riant sur nos fauteuils, eh bien je vous propose de découvrir aujourd'hui 3 nouvelles morts assez insolites. Et on commence fort avec Simon de Montfort. Première phrase, première blague. Tu l'as pas vu venir, hein? Simon IV de Montfort, pour être exact, eh bien c'est un type à la fois brillant sur le champ de bataille et très très nul sur le plan diplomatique. Enfin, c'est pas totalement vrai, hein, mais c'est pour vous donner une image. En gros, c'est une espèce de anti-héros chevaleresque qui donne une incroyable valeur à ses engagements, aux promesses qui lui sont faites, par lui ou devant lui, à la foi et à l'honneur. En gros, il n'est pas très très bon en politique, mais c'est une vraie tête de mule et il castagne bien. Simon naît durant la deuxième moitié du XIIe siècle. On ne sait pas bien quand, probablement entre 1164 et 1175. Issu d'une famille noble à cheval entre la France et l'Angleterre, la maison de Montfort à Maury, il met un peu de temps avant de s'engager dans le conflit qui oppose Philippe Auguste à Richard Cœur de Lion. En gros, quand ça commence à péter entre les deux, Simon n'est pas très chaud d'aller se friter contre les Plantagenets. Surtout quand on sait que Richard Cœur de Lion est en croisade alors que Philippe Auguste est rentré en France pour piquer rapidos quelques positions anglaises. Ça, ça plaît pas trop à Amaury, hein, qui lui n'attaque pas dans le dos. Alors par contre, quand Richard rentre des croisades, bon, là Simon fait le choix de se rallier à Philippe Auguste, hein, parce que c'est plus clair. Bref, Simon de Montfort s'illustre déjà dans quelques batailles, puis part pour la 4e croisade, où il combat aux côtés du roi de Jérusalem, Amaury II de Lusignan. Seulement voilà, si la 4e croisade était à l'origine prévue pour reconquérir les lieux saints laissés aux mains des musulmans, il se trouve qu'elle est détournée en plein élan pour aller se prendre le chou avec l'Empire byzantin, ce qui finira par la prise de Constantinople. Ouais, des chrétiens contre des chrétiens. Bon, c'était pas vraiment le plan à la base. Résultat, Simon et Amaury, qui eux se retrouvent en Terre Sainte, négocient une trêve avec les musulmans de leur côté pour éviter de se retrouver dans de beaux draps, et Simon rentre au pays. Ce qui marque vraiment la vie de Simon de Montfort, c'est en revanche sa participation à une autre croisade sur le territoire actuel de la France, mais qui à l'époque n'est pas la France, l'Occitanie. Au début du XIIIe siècle, dans le sud-ouest du pays, une partie de la population se détourne de la foi catholique. Ils sont toujours chrétiens, mais ne reconnaissent pas l'autorité du pape, et se réunissent sous la forme d'un mouvement que l'on appellera bien plus tard le catharisme. En 1208, le pape, Innocent III, ordonne alors au comte de Toulouse, Raymond VI, de mater la rébellion. Mais Raymond, il n'a pas vraiment envie de taper sur des gens qui lui sont fidèles, et on le comprend. Le pape envoie donc un représentant de son autorité, Pierre de Castelnau, directement à Toulouse. Et là, le Pierre, il constate pour de bon que Raymond n'est pas chaud du tout du tout. Et il décide de l'excommunier. Pour ne rien arranger la chose, un écuyer de Raymond de Toulouse assassine l'envoyé du pape en l'embrochant comme un cochon. Et bien évidemment, Raymond est accusé d'avoir commandité le meurtre. Le pape ordonne donc de poursuivre ses hérétiques et lance la fameuse croisade des Albigeois. Bref, on a une croisade de chrétiens contre des chrétiens, et là, pour le coup, c'est le plan d'origine, hein, pas comme durant la 4e croisade. Mais les Occitans étant des sujets du royaume de France, le roi Philippe Auguste est bien emmerdé. Il décide de ne pas prendre part au combat, mais accepte que la papauté démarche des nobles pour partir à l'assaut de ce que l'on nommera plus tard les Cathares. Et là, le pape réussit à réunir une vraie force d'intervention qui fout tellement les chocottes au comte de Toulouse Raymond VI que ce dernier décide, parce que après tout, c'est pas une honte de changer d'avis, hein, de rejoindre les rangs de la croisade contre ses sujets. Bon, faudra quand même qu'il fasse des excuses publiques, hein, vêtu d'un seul pantalon et d'une chemise. C'est dans ce contexte qu'on retrouve notre fameux Simon de Montfort. Simon, comme de nombreux nobles, rejoint la croisade contre les Albigeois et participe notamment à la mise à sac de la ville de Béziers en 1209. De nombreux nobles occitans se soumettent et leurs terres passent sous le contrôle des nobles croisés.
Rapidement, Simon de Montfort devient le chef militaire de cette croisade, hein, et si le bougre est reconnu pour être un homme assez droit dans ses bottes, il y voit là une parfaite occasion d'étendre l'influence de sa famille et de conquérir de nouvelles terres. Il mène alors une guerre brutale et sans merci contre les hérétiques cathares. Parmi les exemples que l'on peut citer, celui du siège de la ville de Bram en 1209, où il fera crever les yeux et arracher le nez des survivants, laissant un seul homme borgne pour guider les autres. Ou encore celui du siège de la ville de Lavore en 1211, où des opposants sont divisés en deux groupes, des hommes d'Emery de Montréal, qui avaient par le passé prêté serment devant Simon de Montfort, et des hommes de Raymond de Ricot qui avaient été envoyés de Toulouse pour aider à défendre la place. Je l'ai dit tout à l'heure, Simon de Montfort c'est un type qui accorde beaucoup d'importance à la parole donnée. Du coup, quand il remporte la victoire à Lavore, il fait prisonnier les hommes de Raymond de Ricot qui n'ont fait qu'obéir aux ordres. Par contre, concernant Emery de Montréal et ses hommes, c'est quand même assez différent, hein, puisque eux avaient prêté serment auprès de Simon et ne l'ont pas respecté. Pour faire passer le message, Simon décide donc de pendre les 80 hommes d'Emery ainsi que ce dernier. Autre précision un poil glauque, à cette époque Lavore est tenu par une châtelaine, Dame Guiraude de Lavore, qui est une des figures de la résistance cathare, hein, une hérétique de premier rang. Hors de question pour Simon de Montfort de la laisser en vie donc. Deus vult, hein, comme on dit. Simon la jette donc à ses hommes, elle est violée et torturée, puis il la précipite au fond d'un puits en mode 300 et ordonne qu'on la lapide jusqu'à la mort avant de reboucher le puits. Sympa, hein? Et là pour le coup, je vous prends vraiment ces deux faits d'armes les plus connus lors de cette croisade, mais il y en a quand même pas mal d'autres, hein. Bref, entre temps, Raymond VI, le comte de Toulouse, il est de nouveau excommunié parce que finalement il est pas à fond avec les croisés. Résultat, Simon de Montfort marche sur Toulouse avec ses troupes, tandis que Raymond forme une alliance avec d'autres nobles pour contrecarrer l'invasion de leurs terres. La bataille de Muret, le 12 septembre 1213, est une vraie bascule dans le conflit. Alors que Simon est réfugié dans la forteresse de Muret, les forces occitanes lancent l'assaut. Simon est dans une situation précaire et largement inférieure en nombre, et pourtant il défonce tout le monde. Il se paye même le luxe de voir le roi d'Aragon, Pierre II d'Aragon, un soutien de poids des cathares, mourir au cours de la bataille. Les forces albigeoises en prennent un sacré coup, Raymond VI doit s'exiler en Angleterre et dans la foulée, en 1215, le pape octroie à Simon de Montfort, Toulouse, Narbonne, Carcassonne et Béziers. Un joli coup de filet pour le chevalier à qui tout semble sourire. Hein. En 1217, deux ans plus tard, Raymond VI revient sur le sol français et parvient avec des troupes à rentrer dans la ville de Toulouse. La population, trop heureuse de voir leur chef de retour, se soulève contre les soldats français qui contrôlent la ville. Ces derniers sont massacrés et Simon de Montfort, à ce moment-là, est de l'autre côté de la France. Il revient en urgence pour poser le siège de la ville de Toulouse. Et c'est là que notre camarade rieur va rencontrer son destin. Lui qui pourtant ne prenait pas trop le melon, disait-on, va finir par s'exploser la tête. Littéralement. En effet, la ville est défendue par de nombreuses machines de siège, dont des fameuses pierrières qui constituent, avec les bricoles, des armes de défense facilement manipulables par des femmes et même des enfants. Le principe, c'est qu'on utilise la force motrice des utilisateurs pour propulser un boulet en pierre ou tout autre projectile qu'on trouve. Que ce soit la bricole ou la pierrière d'ailleurs, hein, ça fonctionne à peu près pareil. En gros, on a un mât au bout duquel on va accrocher une poche qu'on remplit avec un projectile, et puis on tire de l'autre côté, voilà, pour déclencher le tir. Alors la seule différence, c'est que dans le cas de la bricole, il y a un contrepoids qui va aider à la manœuvre et qui permet d'envoyer des boulets plus lourds et plus loin. Bref, c'était le petit point polyurcétique, hein, le point machine de siège et tactique de siège en bon français. Ouais. Le 25 juin 1218 donc, Simon de Montfort est devant Toulouse. Je l'imagine en train de regarder le ciel et de dire « Oh mon Dieu, cette victoire, elle est pour toi !» Il enfile son aume luisant sous les éclats du soleil et monte à l'assaut avec ses hommes. Son frère Guy, participant à la bataille, est blessé par l'ennemi. Simon se précipite vers lui pour l'aider, au ralenti en 120 images par seconde, bien évidemment. Hein. La routine pour la famille Montfort, on va dire. Sauf qu'à ce moment-là, une lourde pierre, propulsée par une pierrière manœuvrée par un groupe de femmes cathares, s'élance des murailles pour fendre l'air. Un magnifique projectile d'environ 6 kg qui tournoie, virevolte, flotte un instant puis retombe avec violence sur la tête de Simon de Montfort qui explose littéralement sous l'impact. Et comme on peut le voir sur cette iconographie, on imagine que ça fait mal. Les cathares sont en tout cas ravis de l'exploit qui vient d'être réalisé. Les croisés, dépités, lèvent le siège un mois plus tard tandis que les restes de Simon de Montfort sont transférés par son fils dans la cathédrale de Saint-Nazaire. La victoire pour les cathares n'est pourtant pas définitive. Si Raymond VI et son fils Raymond VII reprennent leurs terres petit à petit, le roi de France décide qu'il est temps de s'en mêler. Les conflits continueront pendant de nombreuses années,
voyant la forteresse cathare de Montségur tomber en 1244, le début de la fin pour ces hérétiques occitans qui auront résisté brillamment pendant pas loin de 35 ans. Bon, comme d'habitude, je me suis un petit peu enflammé sur la première partie, hein, du coup je vais être tenté d'être un petit peu plus court sur les deux prochaines histoires. Un peu. Et on part tout de suite du côté de la Thaïlande, ou plutôt du Siam. Et oui, parce qu'avant 1939, la Thaïlande, c'était pas la Thaïlande, c'était le royaume du Siam. Et il a fallu attendre 1932 pour qu'un coup d'état vienne mettre un bon coup de pied aux privilèges de l'aristocratie en changeant de régime, ce qui occasionna, quelques années plus tard, un changement de nom de pays. Et pour notre protagoniste, je pense que la remise en question de ses privilèges aurait plutôt été une bonne chose, hein. C'est quasi certain en fait. Le Siam, c'est un royaume créé en 1350 par le roi Ramathibodi Ier. Alors, j'allais faire une blague sur My body is ready, Ramathibodi, mais bon, je vais me contenter de vous dire que j'avais très envie de la faire, hein, que je me suis quand même désespéré moi-même. Bon. Depuis 1350, de nombreuses familles se succèdent à la tête du royaume, et à partir de 1782, c'est la dynastie des Chakri qui se hisse à la tête du pouvoir. Et pour info, c'est la même famille qui est aujourd'hui à la tête de la Thaïlande puisqu'il s'agit d'une monarchie constitutionnelle. Les pouvoirs du roi sont donc limités, mais il reste quand même le chef des armées, et si tu le critiques publiquement, tu peux prendre 10 ans de tôle. Donc il a quand même finalement pas mal de pouvoir encore. Cette dynastie commence donc en 1782 avec un dénommé Rama Ier, et le titre va se passer dans la famille de Rama en Rama jusqu'à Rama X, actuel roi de Thaïlande. Et non, il n'y a pas un Rama un demi. Hein. L'histoire qui nous intéresse se déroule durant le règne de Rama IV, qu'on appelait aussi Mongkut. Un type qui va avoir à gérer l'arrivée des Occidentaux qui veulent absolument coloniser toute la région et qui va leur résister tout en se la jouant assez fine pour moderniser le pays. Et il faut dire que Mongkut a un sacré background. En 1824, Mongkut a 20 ans. Comme le veut la tradition, il devient alors moine pour une durée indéterminée. Malheureusement pour lui, son père meurt la même année et le conseil des princes et des ministres, qui doit valider la succession, décide de pousser sur le trône son demi-frère aîné, le futur Rama III, fils d'une concubine de son père. Mongkut, qui jusque-là a vécu une vie de prince avec tous les avantages qui vont avec, c'est-à-dire notamment une très bonne éducation et une très bonne instruction, continue donc sa carrière de moine. Il côtoie alors plusieurs occidentaux, aux côtés desquels il apprend notamment l'anglais et le latin, puis se lance dans l'étude du sanskrit, une langue indienne, avant d'enchaîner sur les mathématiques, l'astronomie, l'histoire, bref, le gars emmagasine tout ce qu'il peut. En 1851, son frère meurt et tous les regards se tournent vers lui. Enfin, pas tout à fait, hein, puisque Rama III il avait quand même 52 gosses, et du coup il y en avait dans le tas qui auraient aimé monter sur le trône. Mais malgré ça, Mongkut devient roi du Siam sans violence, à l'âge vénérable de 46 ans. Il devient alors Rama IV, et pour éviter des problèmes de succession s'il venait à mourir lui aussi, il nomme un deuxième roi, son frère Pinklao, en demandant à tout le monde de le considérer comme si c'était lui-même. Bah, c'est un moine, hein, un type simple, hein, droit dans ses bottes, hein. Ce qui n'empêche pas quand même d'embrasser la fonction royale avec tous les privilèges qui en découlent, hein, et avec beaucoup d'enthousiasme. Hein. Par exemple, quand il était moine, il était tenu à l'abstinence sexuelle. Bah, maintenant qu'il est roi, bon bah, il se fait un petit harem, hein, avec 32 épouses, dont la principale est sa propre nièce de 17 ans, et puis il va engendrer 82 enfants, explosant le record de son propre père, voilà. Mais bon, en même temps, hein, c'est dans les usages de l'époque, de rester entre soi, de se reproduire un max, et de caler toute sa progéniture à des postes clés dans tout le royaume. Et c'est avec sa troisième femme qu'il donnera la naissance à Sunanda Kumariratana, qui est en fait l'héroïne du jour, si on peut dire, puisque c'est elle qui va mourir de façon totalement absurde. Et si je n'ai pas développé cette partie de l'épisode spécifiquement sur elle, eh ben, c'est qu'il n'y a pas tant d'informations que ça dans des langues que je maîtrise. Hein. Mais bon, en même temps, la vie de son père valait le détour. Sunanda Kumariratana naît donc en 1860 à Bangkok, alors que son père a déjà enfanté moult gnomes. Et figurez-vous que lorsque Rama IV meurt, c'est un de ses fils, un demi-frère de Sunanda, qui monte sur le trône et devient Rama V. Et il fait quoi ce Rama V? Eh bah, il prend comme épouse sa demi-sœur. On l'a dit, la famille, c'est important. Sunanda devient donc une des épouses de son frère, la préférée même, hein, et par extension, la reine du Siam. Elle a donc pas une position de merde, loin de là. Et c'est précisément ce qui va causer sa perte, hein, dans une scène qui pourrait être presque comique si elle n'était pas aussi profondément dramatique. En 1880, ça fait déjà un an que Sunanda a accouché d'une petite fille, et elle est de nouveau enceinte.
Alors qu'elle navigue sur le fleuve Chao Phraya, le plus grand fleuve de Thaïlande, pour se rendre au palais d'été du roi, en construction, le bateau royal sur lequel elle se trouve chavire et la précipite à l'eau avec son enfant. Aux alentours, de nombreux témoins s'agitent, mais personne ne saute à l'eau pour lui venir en aide. Pire que ça, les gardes qui l'accompagnaient menacent les éventuels courageux de mort si quelqu'un tente quelque chose. La pauvre se noie donc avec sa fille devant le regard de nombreux témoins. Mais pourquoi ? Pourquoi personne n'est intervenu ? Pourquoi les gardes étaient si hostiles ? Eh bah, tout simplement pour une question de tradition et de coutume. Eh ouais, c'est pas vraiment rare de voir des coutumes qui régissent la manière de se comporter avec un membre de la famille royale. Et ça, peu importe les pays. Par exemple, la reine d'Angleterre, personne n'est censé la toucher, même si elle a eu des gosses. Mais bon, c'était pas n'importe qui l'a touchée, hein. Enfin bref. Si quelqu'un touche la reine d'Angleterre, on lui coupe pas la main non plus, hein. Il se prend juste un gros coup de sac dans la tronche et puis c'est fini. Cependant, dans le Siam du 19e siècle, c'est une règle qui est non seulement en vigueur, mais qui est aussi poussée à l'extrême. En gros, tu touches un membre de la famille royale sans autorisation, on te tue. Direct. En plus, dans le pays, il y a une sorte de superstition qui dit que si tu sauves quelqu'un qui est en train de se noyer, et que tu arrives à le sauver, ben, l'esprit de la rivière où a failli se noyer celui que tu viens de sauver peut venir te chercher pour prendre ta vie en échange. Bon, en fait, c'était surtout un moyen de faire en sorte que les gens fassent pas les kékos alors qu'ils savent pas nager, hein, pour éviter de mourir bêtement. Mais c'est quand même ancré. Parmi les témoins de la tragique scène de la reine Sunanda, on peut donc imaginer deux choses. La première, c'est qu'une partie des témoins était sûrement dans cette crainte superstitieuse de ne pas pouvoir sauver la reine sans perdre la vie en retour. Et de l'autre, il y avait quand même cette crainte pas du tout superstitieuse, hein, mais bien réelle, hein, de perdre la vie en la sauvant par le simple fait de l'avoir touchée. Et c'est bien là le problème, hein, parce qu'on peut imaginer qu'il y ait des gens qui aient tenté le coup s'il y a une réaction des gardes comme ça. Et les gardes, pourquoi ils ont réagi comme ça? Eh bien, sûrement parce qu'ils ne savaient pas du tout quoi faire, en fait, hein, eux-mêmes. Et cette loi, qui empêche de toucher un membre de la famille royale, elle est forcément très codifiée, mais elle peut avoir des dérogations qui sont soumises à l'appréciation de la personne qui va l'appliquer et de la situation dans laquelle ça se passe. En gros, c'est plus une sorte de dogme général qu'une interdiction formelle s'il y a danger de mort. Sauf que là, les gardes étaient tellement sûrement paniqués qu'ils ont décidé d'appliquer le code, dans le doute, à la lettre. Résultat, ils font rien pour sauver la reine, menacent ceux qui auraient pu tenter le coup, et la pauvre jeune femme de 19 ans se noie avec sa fille et l'enfant qu'elle portait. Rama V pétera littéralement un câble en apprenant la nouvelle, ce qu'on peut comprendre. Il fera emprisonner les gardes. Il organise de gigantesques funérailles pour son épouse et ses deux enfants, et attendra près de 7 mois avant de faire incinérer le corps de sa bien-aimée. Rama V finira la construction du palais d'été auquel se rendait sa femme, et abolira par la suite la loi interdisant à un sujet du royaume de toucher un membre de la famille royale. Triste histoire. Nous allons maintenant revenir sur un célèbre roi de France que nous avons déjà évoqué dans les vidéos sur les Templiers, Philippe le Bel. Roi de 1285 à 1314, son règne marque un tournant dans la centralisation du pouvoir royal et est émaillé de nombreux conflits plus ou moins ouverts avec l'Église. Alors attention, pas question de présenter Philippe comme un anti-religion ou un athée. Il reste un roi chrétien qui ne remet pas en question l'importance du culte. Il va surtout chercher à affirmer son pouvoir sur les affaires religieuses dans son royaume, notamment en taxant directement les biens de l'Église. Ce qui est plutôt couillu, hein. Imaginez à quoi ça aurait pu ressembler des manifestations de soutane jaune, qui prenaient des carrefours et qui haranguaient sur les places des villes « Eh, touche pas à mon église !» Ça aurait quand même pu vraiment avoir de la gueule à l'époque, hein. Mais bon, pour être plus sérieux deux minutes, vous l'imaginez bien, hein, cette position de Philippe le Bel vis-à-vis de l'église, elle va entraîner des tensions et ce conflit va durer littéralement jusqu'à sa mort, voire même un peu après. Et vous allez le voir, ce qui est rigolo ici, c'est pas forcément la mort du roi, mais plutôt les circonstances qui l'entourent. En effet, Philippe le Bel meurt en 1314, frappé d'une étrange maladie. Peut-être conséquence d'un AVC survenu un peu plus tôt. Bon, je vous l'ai dit, hein, c'est ni rigolo, ni original. On va dire que tout le monde peut le faire. Moi, si je veux faire un AVC, je le fais si je veux. Son corps se trouve alors au château de Fontainebleau, résidence habituelle de la cour royale. Elle est donc située relativement proche de la basilique de Saint-Denis, dans laquelle sont enterrées les dépouilles des rois et reines de France. Et retenez bien ça, son corps va, comme tout le monde s'y attend, être envoyé à Saint-Denis pour l'enterrement. Sauf son cœur et ses entrailles qui ont été prélevées et qui finiront à l'église du prieuré de Poissy.
Pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'agit en fait de l'application à la lettre du testament royal rédigé dès 1297. Et ce lieu d'inhumation, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Il est assez courant, avant le XIVe siècle, de procéder à une partition du corps post-mortem, principalement lorsqu'un noble mourait loin de sa terre natale. On te charcute un peu et on t'envoie dans des colis aux quatre coins de la France, quoi. Les moyens de transport étaient cependant limités aux chevaux et aux navires, et les techniques de préservation du corps étaient encore peu efficaces, c'est le cas de le dire. Du coup, ça laissait que peu d'alternatives. On pouvait soit faire un embaumement, pas toujours concluant et qui ne faisait que retarder la putréfaction de quelques jours, soit utiliser le mos teutonicus. Une technique germanique qui consiste à faire bouillir le cadavre, parfois après lui avoir prélevé le cœur, dans de l'eau ou du vin épicé afin de séparer les chairs et les os. Les os peuvent alors être facilement transportés sur de longues distances et les chairs, on peut les saler pour les conserver. Et si vous êtes en train de manger, je vous souhaite évidemment un très bon appétit. C'est ce qui va arriver au père de Philippe IV, Philippe III, lorsqu'il meurt à Perpignan, trop loin de Paris pour permettre un transport en entier. Si sa dépouille principale, c'est-à-dire les os, rejoignent Saint-Denis, son cœur, lui, est offert au couvent des Dominicains à Paris. Sauf que là, il s'agissait bien d'une décision prise après la mort du roi, et contrainte par l'éloignement géographique. Dans le cas de Philippe le Bel, il avait expressément demandé à être enterré à deux endroits différents, et nous avons vu que lorsqu'il meurt, il ne se trouve pas très très loin de Saint-Denis. Alors, est-ce que c'est juste une simple petite excentricité royale ? Eh ben, en fait, c'est plus complexe que ça. Le monastère du prieuré de Poissy, il l'a fait fonder afin d'honorer la mémoire de son grand-père, le célèbre Louis IX, alias Saint-Louis. Y envoyer son cœur, qui prend une importance symbolique forte durant cette période, c'est un véritable acte de propagande par lequel Philippe le Bel s'inscrit dans l'héritage glorieux de Saint-Louis. Dans une société où faire des dons à des communautés religieuses afin qu'elles prient pour le salut de votre âme est une notion importante, c'est en fait un don tout à fait spécial qui a l'avantage de ne pas coûter un rond au successeur. Ensuite, cette décision s'inscrit pleinement dans le conflit d'autorité qui se joue entre la papauté et le roi de France. On l'a dit, cette pratique de séparer le corps en plusieurs morceaux, elle existait déjà, mais si elle était tolérée par l'Église, elle était quand même vachement sujette à de nombreux débats théologiques. Boniface VIII, le pape, interdit d'ailleurs cette séparation du corps, qui avait gagné jusqu'à plusieurs membres de l'Église proches du pape durant le vivant de Philippe le Bel. La plupart des nobles respectent cet interdit. Et le nombre d'inhumations multiples baisse drastiquement durant cette période. Sauf que Philippe, il lui en faut beaucoup plus pour être découragé. Il insiste donc auprès des successeurs de Boniface VIII pour avoir des exemptions, qu'il finit par obtenir. Et ça, c'est peut-être anodin pour vous, mais ça place quand même le roi, qui tire sa légitimité de Dieu, dans une position de privilège jusque dans la mort. Et forcément, ces lieux d'inhumation multiples y permettent de le faire voir de façon considérable. Et d'ailleurs, à partir de là, la plupart des successeurs de Philippe IV vont multiplier les sépultures, continuant d'affirmer ce privilège. Du coup, il faut un petit peu le voir comme un ultime pied de nez à l'Église, une espèce de provocation en mode « Eh, c'est moi qui ai gagné !» Et bon, si c'est moins spectaculaire qu'un rocher sur la tronche ou qu'une noyade devant témoin, moi ça m'a fait marrer. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode qui se concentrait sur les morts insolites de l'histoire, merci aussi à Tanguy qui bosse avec moi sur l'iconographie de l'émission notamment, et qui a écrit une bonne partie de l'histoire sur Philippe le Bel. Je vous rappelle que cet épisode est sponsorisé par moi-même, et que je vous conseille fortement d'écouter ce que j'ai à vous dire, parce que j'ai un truc vraiment, vraiment bien à vous conseiller, c'est ma nouvelle BD Nota Bene, tome 2. Si vous avez aimé cet épisode sur les morts insolites, vous kifferez forcément ce tome 2 de ma BD, puisque c'est des histoires similaires qui y sont racontées, comme celle de l'incroyable évasion de Richard Ier de Normandie, ou la vie étonnante de Rasputin, ou encore la badass Tomoe Gozen, une femme samouraï du XIIIe siècle. C'est une BD qui s'inscrit vraiment dans la même veine que le tome 1, une BD très franco-belge qui est axée à la fois sur des histoires insolites des différents protagonistes, qui traverse toutes les périodes et tous les pays, mais aussi elle est axée sur l'humour de par la mise en scène, du dessin et des nombreuses références à la pop culture qui sont faites dedans, puisqu'on s'est pas mal amusé. Pour réaliser cette BD qui sort le 13 novembre 2019 aux éditions Soleil, les mêmes qui font Landfeust ou Troll de Troyes par exemple, j'ai été accompagné par trois larrons, Christian Paty au dessin qui a notamment travaillé sur la geste du Chevalier Dragon, Mathieu Mariol qui est co-scénariste qui lui a pu sortir des super BD dans la série des Mondes de Torgal, et Joël O'Donn qui a mis en couleur tout ça et qui a fait un boulot aux petits oignons.
Vous avez d'ailleurs dans cette BD des bonus en réalité augmentée, hein, c'est-à-dire que pour chaque chapitre, eh bien, vous pouvez scanner la page pour déclencher une vidéo bonus de moi-même qui vous parle du chapitre en question, hein, et des réflexions qu'on a pu avoir autour de la production de ce chapitre. Du contenu en plus, quoi, hein, voilà. Ce tome 2, je vous le mets en description, le tome 1 aussi d'ailleurs, hein, donc vous pouvez acheter dès maintenant ou réserver cette BD, que ce soit à travers le lien que je vous ai mis ou dans des boutiques près de chez vous, elle sera disponible partout. Hein. Plus il y a de gens qui réservent maintenant la BD, et plus elle va remonter dans l'algo, et plus elle sera visible, donc voilà. Et d'ailleurs, vous trouverez en commentaire, hein, un lien vers un concours pour gagner 2 exemplaires de la BD. Vous pourrez tenter votre chance. Et il y a d'autres exemplaires qui sont à gagner sur mes autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Si vous aimez mon travail, je compte sur vous pour nous le faire savoir, hein, parce qu'actuellement, on a fait ces 2 BD-là qui sont vraiment super cool. J'en suis très très fier. Et si ça marche bien, si on arrive à vendre assez de BD, eh ben, on peut envisager un tome 3 thématique sur un truc qui me tient mais vraiment à cœur et qui, j'en suis sûr, vous fera méga plaisir, hein, et qui se passe loin au nord, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, on compte sur vous pour faire des cadeaux de Noël, voilà. Encore merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve comme d'hab sur Instagram, Twitter et Facebook avec mon compte Nota Bene Movies, et bien évidemment très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Salut.